Je m'appelle Sophie Zénon, je suis artiste photographe et depuis une vingtaine d'années, je travaille sur le geste et les savoir-faire dans les métiers d'art. Alors l'histoire avec la manufacture de Sèvres, elle est quand même très ancienne puisque c'est en 2004 que je découvre les ateliers. Je ressors complètement fascinée en me promettant bien un jour d'y revenir. Toutes les photographies que l'on voit ici à Sèvres parcourent les 27 ateliers, depuis les ateliers de production jusqu'aux ateliers de décoration. Quand je prends mes photographies, il n'y a jamais aucun systématisme. Ce que je fais, c'est que je me laisse d'abord imprégner par ce que je ressens et par ce qu'on peut dire un esprit de l'atelier. Je suis totalement admirative de ces artisans qui sont capables de consacrer 10 ans à la maîtrise d'un geste. Mais aussi, ce qui m'a fascinée à Sèvres, c'est que chaque pièce produite est le résultat d'une sorte de symphonie. C'est-à-dire qu'au moindre défaut, au moindre accident de parcours au milieu des 27 ateliers, tout est à refaire. Et ce qui me touche le plus, c'est alors le dialogue et la complicité qui se nouent entre nous.